Yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre rentrée scolaire s'est bien passée. Tout en sachant que je ne sais pas quand sort cette vidéo, donc si ça se trouve, vous n'êtes pas encore rentré, mais je... Enfin bref, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux, trois petites choses, enfin au final, une seule chose, mais on va détailler. Bref, vous savez, moi, je regarde pas mal la chaîne de Squeezie. Et ce que j'aime bien sur la chaîne de Squeezie, c'est ces threads, en fait, les threads horreurs, les threads, enfin, quand ils racontent des histoires d'horreur ou des histoires qui pourraient au final tous nous arriver un jour dans notre vie. Enfin, on espère pas forcément que ça nous arrive, mais ça pourrait arriver. Bref, du coup, je voulais vous parler des threads d'horreur. Alors moi, les threads d'horreur, les histoires d'horreur comme ça, j'aime vraiment bien. Et du coup, je les regarde sur la chaîne de Squeezie. Malheureusement, ce que j'aime pas trop, c'est que Squeezie, il sort à peu près une vidéo threads d'horreur par mois. Et du coup, déjà, je sais pas pourquoi j'étais à ça en main. Donc je disais, du coup, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché... autre part, sur une autre chaîne YouTube, quelqu'un qui faisait un petit peu le même genre de contenu, c'est-à-dire des threads d'horreur. Et je suis tombé sur la chaîne d'un certain Nicolas. Alors Nicolas, il fait des histoires d'horreur, des threads d'horreur. Le seul problème, c'est que là où sur la chaîne de Squeezie, je restais un petit peu sur ma faim, sur la chaîne de Nicolas, il y a beaucoup trop. Trop de threads d'horreur, trop d'histoires d'horreur, et là j'en ai... Je fais une overdose en fait, du coup ça va pas, il y en a beaucoup trop. Du coup j'ai cherché encore une autre chaîne et je suis tombé sur la chaîne d'un mec, je ne vais même plus vous dire son pseudo parce qu'il y avait des chiffres dedans et quand il y a un pseudo dans les chiffres, généralement je ne retiens pas. Et ce mec là il faisait des histoires d'horreur, des histoires vraies, des threads d'horreur, sauf qu'il y avait... C'est un peu comme pour Nicolas, il y avait beaucoup trop de vidéos, mais le truc c'est que... Autant sur la chaîne de Nicolas, les histoires qui étaient vraies, elles étaient plausibles, autant sur cette chaîne-là, on se perd en fait. C'est-à-dire que il y a des histoires, c'est tellement gros, il dit que c'est vrai, mais c'est tellement gros comme histoire que tu te dis, c'est pas possible en fait. Genre oui, il y a un poulpe qui est sorti de l'eau, qui a attrapé des gens, mais en fait, après, il s'est transformé en sorcière. Parce que le garagiste était venu en fait pour déboucher les WC et du coup le monstre est sorti et il a arraché la tête de quelqu'un, puis après en fait on a appris que c'était sa tante. Voilà, ça c'est le genre d'histoire qu'il y a sur cette chaîne là. Après il y a certaines histoires qui certes sont plausibles, mais t'en as certaines, c'est vachement gros quoi. Vous voyez un peu le genre. Du coup moi après je me suis dit mais bordel soit j'attends tous les mois pour avoir une histoire de Squeezie qui est bien, soit je vais sur la chaîne de Nicolas, mais je vais faire une overdose d'histoires, soit je vais sur la chaîne de MKJSEC, je pense que c'est ça son pseudo, et là, bah, ok, il y a des histoires, mais elles sont pas plausibles. Mais du coup, j'ai trouvé une chaîne YouTube, et j'ai trouvé une autre chaîne YouTube. Et là, je suis tombé en amour. En amour de la chaîne, pas de la personne qui anime la chaîne, hein. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la chaîne de Liv, tout simplement. C'est juste Liv, pas Liv tout simplement, c'est Liv, la chaîne de Liv. Alors Liv, qui est-ce que c'est? Alors c'est une jeune fille qui doit avoir plus ou moins mon âge, qui doit avoir 23 ans ou peut-être un peu plus jeune. Bref, Liv, c'est une personne qui fait des vidéos, du coup, des threads d'horreur, des histoires d'horreur, des histoires de crimes. Bref, elle fait plein de trucs et franchement, je surkiffe cette chaîne. Alors je voulais à la base faire comme pour Joe Arnaud et vous mettre quelques petits extraits de sa chaîne. Mais le problème en fait c'est que je ne savais pas quoi mettre pour représenter clairement sa chaîne parce qu'il y a trop de trucs. Enfin il y a beaucoup de vidéos. Et en fait je voulais pas sélectionner une ou l'autre vidéo parce que pour moi toutes ces vidéos sont bien. Il n'y a pas des vidéos qui représentent clairement ce qu'elle fait ou l'autre qui représente moins ce qu'elle fait. Franchement, j'adore vraiment cette chaîne. Donc moi, tout ce que je vous conseille, c'est simplement d'aller voir cette chaîne. Je mettrai bien évidemment sa chaîne en barre de description, si ça vous intéresse. Alors concrètement, Liv, qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur sa chaîne? Parce que je vous ai dit un petit peu, mais voilà. Donc on va aller sur sa chaîne en direct et on va regarder ce qu'elle fait. Alors Liv. Donc, je vais vous montrer la chaîne, comme ça vous voyez un petit peu. Donc voilà, c'est cette personne, c'est Liv. Qui a 145 vidéos et 556 000 abonnés. Et franchement, c'est grave mérité. Elle mérite d'ailleurs beaucoup plus.
En fait, sur sa chaîne, on a un peu des histoires paranormales, des histoires de crimes, des mystères. Et moi, tout ce qui est paranormal, surnaturel et tout, mais c'est un truc que j'adore, franchement. Et sur sa chaîne, je la regarde très très souvent, sa chaîne. Et je me retrouve clairement, en fait, dans ce qu'elle fait. J'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Je fais vraiment cette vidéo pour vous parler de cette chaîne-là, parce que franchement, elle mérite qu'on en parle. Et du coup, voilà. En gros, c'est une chaîne vraiment qui parle vraiment du domaine paranormal, en fait. Il y a un peu d'horreur aussi. Bien sûr, il y a un peu d'humour aussi, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, elle sort à peu près une vidéo chaque semaine. Alors, sur sa chaîne, on aura des histoires paranormales, des enquêtes criminelles, des mystères. Et plein de concepts, en fait, intrigants. Ça nous amène à réfléchir, et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment comme vidéo, comme style de vidéo? Alors, on a des témoignages paranormaux, c'est-à-dire qu'elle demande à ses abonnés de lui envoyer des témoignages paranormaux, elle les raconte, elle fait un petit montage et tout pour les raconter. Et franchement, c'est grave, grave, grave sympa. Il y a aussi des affaires criminelles, c'est-à-dire qu'elle prend une affaire criminelle plutôt importante qui s'est passée, pas forcément en France. Elle essaye souvent de prendre des histoires qui se sont passées dans d'autres pays, du coup des histoires qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, elle raconte un peu l'histoire criminelle. Et c'est souvent des histoires assez intrigantes, c'est jamais des histoires très très banales. C'est toujours des histoires un peu, pas forcément paranormales, mais des trucs un petit peu bizarres, quoi. Par exemple, une fille de 11 ans qui a agressé sa camarade de classe parce que pour une connerie, quoi, vous voyez. Donc des affaires criminelles, en gros. Il y a aussi des vidéos purement paranormales, c'est-à-dire des apparitions de fantômes, des trucs un petit peu bizarres qui sont passés. Il y a aussi des enquêtes. Alors les enquêtes, c'est un peu comme des affaires criminelles, sauf que, voilà, quand on gratte beaucoup plus, on raconte pas simplement une histoire, on gratte en fait, pour essayer de... On a une enquête, en gros, on enquête sur un fait, sur un truc, un événement qui s'est passé, et on essaye peut-être de trouver la vérité. Bon, on trouve pas forcément la vérité, mais au moins on enquête. Et c'est pas mal. Il y a aussi des faits divers, donc là c'est un peu comme les affaires criminelles, sauf que là c'est vraiment des faits divers, donc c'est des trucs qui sont passés, mais qu'il n'y a pas forcément énormément d'infos dessus, donc des faits divers. Elle a aussi fait quelques petites vidéos qui n'avaient rien à voir, genre des infos aussi des secrets d'horreur, mais genre où elle raconte l'histoire sur plusieurs vidéos du début à la fin, quoi. Vraiment du début sur plusieurs vidéos, et franchement elle donne beaucoup plus de détails. Squeezie fait plus ça en mode on donne l'histoire et voilà quoi. Tandis qu'elle vraiment elle gratte et essaie de trouver des preuves, des indices, des trucs. Franchement c'est vraiment... On voit en plus que sur sa chaîne elle fait de putain de travail de recherche sur ses vidéos. Il y a franchement une grosse recherche, je pense. Et il y a aussi sur sa chaîne bien évidemment des mythes et des légendes. Donc on parle de légendes, de mythes, de trucs qui ont existé mais on n'est pas sûr du tout. Franchement, sa chaîne, comment la résumer? Mystère, paranormal, horreur. Pour moi, c'est ça, sa chaîne. Je vais vous montrer vite fait les vidéos, vous voyez. Je vous montre vite fait. Hein. Donc voilà, on voit un petit peu, vous voyez un petit peu le genre. Donc voilà, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, en fait. Juste, allez voir cette chaîne. Regardez une ou deux vidéos, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Franchement, ça me ferait... super plaisir que cette chaîne soit beaucoup plus mise en lumière, car pour moi 500 000 abonnés c'est bien, mais pour moi elle mérite 5 millions, tu vois. Non, franchement cette chaîne est vraiment bien, elle raconte bien, elle fait des recherches, elle travaille pour ses vidéos. Voilà quoi, franchement abonnez-vous à cette chaîne, ou au moins allez voir cette chaîne, elle sera en description. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Comment conclure, je sais pas trop. Bah écoutez, concernant nous, nos vidéos ici en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques mois qu'en fait c'est un petit peu, la chaîne est un peu en roue libre, on va dire, hein. Mais honnêtement, alors quand est-ce que les vidéos basiques vont reprendre, c'est-à-dire les podcasts et les soldats de l'amour? Alors je peux pas vous promettre ça à 100%, hein. Mais normalement, si tout se passe bien, Soldat de l'amour épisode 23 en octobre et prochain podcast en novembre. Donc normalement quand ça se passera comme ça, si tout se passe bien, à moins qu'on soit reconfiné d'ici là, mais j'espère que non.
Si on n'est pas reconfiné, ce sera comme ça. Et sinon, ben voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Vif qui sera dans la description. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouveront également dans la description. Et sinon, moi je vous dis et bye tout le monde!